Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui. Nous avons deux systèmes de tampons. Nous avons les en résine. Donc là, il n'y a pas besoin de montage, ils sont tout montés, hein. Voilà, je vous montre. Hop, ils sont déjà montés. Il y aura juste A. Mais il y a aussi ceux-là où nous devons les monter. Celui-là, vous voyez, celui-là, il a monté. Celui-là, il est en clear. Donc je n'ai pas besoin de le monter. Celui-ci aussi est en clear. Il n'y a pas besoin de le monter. C'est ça qui est pratique. Donc, je vais vous montrer maintenant comment monter vos tampons. Très simple. Vous avez la plaque de tampon et à côté les images. Première chose, vous enlevez tout ce qui est le blanc au dos de votre plaque de tampon. Voilà. Sinon, vous ne pourrez pas coller l'image ensuite. Bon, je vais un peu vite. J'ai un petit peu le... Bien arrivé à pas décoller la mousse, que le blanc. Mais ça se décolle en général assez bien. Voilà. Hop, poubelle. En plus, après. Ce côté-là, vous voyez de ce côté-là, les étiquettes s'ouvrent. Donc, vous regardez, si vous regardez bien, là, vous pourriez presque le superposer. Ne le faites pas. Donc, au dos, vous prenez le rond. Le rond, il a un sens là. Pour l'écriture, il est mis droit. Là, vous allez l'avoir. Moi, j'enlève les deux côtés. Bon, je trouve ça plus pratique. Après, chacun fait. Si vous n'y arrivez pas, n'enlevez qu'un côté à la fois. Il va falloir coller pile poil dessus. Voyez, il est écrit à l'envers, faut l'écrire pareil, faut le recoller pareil. Vous mettez le tampon dessus, vous l'enlevez et voilà, votre étiquette est faite. Vous pouvez le recoller. Pour le décoller, là je l'ai pas posé vraiment. Pour le décoller. Vous prendrez votre outil touche à tout côté spatule et vous le décollez tout simplement. Donc j'enlève la pellicule sur l'image. Attention parce que ça colle très bien. Vous ne pourrez pas déplacer le tampon après si vous l'avez mal positionné. Voyez, c'est écrit pareil. Colle dessus, hop, doucement mais sûrement, et vous pouvez le décoller. D'accord? Alors, après, je vais faire le traîneau. Parce que de toute façon, il faut que je décolle toutes les images. Voilà. On décolle le traîneau. Délicatement, on vient le coller dessus et on décale. Hop. Après, je vais vous donner une autre petite astuce. Voilà, je vais coller toutes mes images au dos des tampons pour bien qu'ils adhèrent sur mes blocs par la suite. Beaucoup ne le font pas, mais après, le souci, c'est quand vous avez des écritures, si c'est mal collé, vous pouvez tamponner à l'envers. Voyez le pour et le de dans le bon sens. Bon, des fois, les images aident, des fois pas. Allez, je vais coller la grande là. Alors, on commence à un bout. On y va doucement. Pour rester bien droit sur toute la longueur. Et voilà. Et moi, pour savoir si dans ma boîte, il ne me manque pas un set de tampons ou autre, je mets à l'envers. Vous voyez, pas de ce côté-là, mais de ce côté-là où j'ai enlevé les images. Je le mets.
qu'au départ, elles sont un peu dures à décoller. Bon, là, ça décolle bien. Évidemment, c'est peut-être trop neuf. Et je remets à l'empreinte où il y a l'empreinte. Vous voyez, il y a le rond. Hop, le rond. La grande étiquette. Le traîneau. Le texte. Encore un texte. Je remets pile poil. Voilà. Et je garde le caoutchouc. On ne sait jamais. Avant, on remettait directement les étiquettes. C'était pour vraiment savoir. Maintenant, vous faites ça. Mais ça, vous pouvez le garder parce qu'on peut faire des choses avec. Je vous ferai voir un jour. Voilà. Donc, maintenant, il faut faire toutes les autres qui restent. Là, j'avais commencé. Vous voyez, le petit bonhomme de neige, pareil. Hop. On colle bien sur l'image. Je commence un côté parce qu'une fois que ça va être collé, c'est fini. Hein. On ne peut plus décoller. Bon, bah, va falloir que maintenant je prépare tous mes petits jouets et que je vous fasse de belles réalisations avec. Bon, je crois que j'en ai pas trop à faire quand même. J'en ai que 3 sets que j'ai reçus comme ça là à monter. Des fois c'est plus. Alors, là c'est pareil. Il faut bien regarder avant, vous voyez, il y a un motif dessus. Il faut bien voir qu'il y a le nœud qui est là, en haut. Et le mettre pareil, dans le même sens. Des fois, on ne fait pas attention. Et si vous le mettez à l'envers, bah, il faudra toujours vous savoir que votre tampon sera monté à l'envers. Parce qu'on ne peut plus enlever les étiquettes. Alors ça, c'est moi. Voilà. Moi, souvent, je fais ça, je colle tout à l'emplacement voulu. On enlève, je les place n'importe comment. Je vais mettre le marquage des étiquettes et il va falloir que je retrouve l'emplacement de tout le monde. Hop. Comme ça, vous ne perdez pas du tout. Vous êtes sûr que si vous les allez les prêter ou vous êtes en réunion, vous saurez toujours. Voilà, vous saurez en ouvrant si vous manque un tampon dans votre boîte. Voilà, bonne journée.